yo la place yo. Moi une question pas maintenant. Monsieur Pinson, Digicel il fait 18 millions de dollars d'investissement avec l'État haïtien. Moi t'a rien qu'on est. Est-ce que marché ça là parce que vous construire. Est-ce que marché ça la position ça lié à niveau que on fait un investissement aussi important là-dedans. Merci beaucoup Métropole va attendre réponse là moi quitter moi libérer ligne là. Merci, auditeur. Gaël, ce n'est qu'à bref tout dans réponse. Pour ne pas Une seconde. Je vais demander aux auditeurs de faire comprendre que la question est très importante pour nous, intervention est très importante pour nous. Mais s'il vous plaît, posez question plutôt pour ne pas permettre plus pour nous participer. Allez-y. D'accord. Très bref. Est-ce que autant d'investissements, autant d'argent. Ça n'a été seul pour investir sur 18 millions de dollars, faites comme ça. Effectivement, lui-même dit qu'on investissement fait dans FATRA, effectivement, on investissement comme ça, il y a des priorités qui, avant même que l'investissement fait, les deux parties, c'est-à-dire et compagnie qui finance là, et gouvernement et de bonne intention pour mettre des normes de sécurité. Même si pas gagné en Haïti, bon, il y a des normes de base et obligatoires pour gagner. Il faut protéger le périmètre là. Comment tu dis, il faut protéger le périmètre là pour même si FATRA a FATRA, il FATRA dehors, mais il va arriver en dedans. Ensuite. Et lui demander des mesures, par exemple. Il y a des gens qui disent, mais pour qui ça, on investit comme ça, on va t'assurer. Mais assurance, c'est bon, œuvre de bienfaisance, pour me répéter ça, je dis tout à l'heure. Sous respecter les critères de base, et que le gouvernement, tout lui-même, mettez des structures en place, la bienassurance. OK? Donc c'est ça, c'est la même réponse. On l'autre auditeur en ligne, auditeur, bonjour. Bonjour, Mme Paul. Oui, bienvenue. Donc, deux petites questions. Est-ce que, par exemple, quand le gouvernement livrait la promesse qu'il y aura le bail courant par-ci et par-là à travers le pays, est-ce que nous pas quoi sans une éducation de base par tout le pays habité, cette affaire d'électricité pour aller au risque de descendre pour le peuple haïtien? De ce temps-là, Digicel dépenser 18 millions de dollars pour construire le marché. Bravo. Mais est-ce que nous, après tout, à l'autre côté de la médaille, ça capte Digicel un peu des droits pour la maltraiter le peuple haïtien à travers le système téléphonique lié dans un système qui est un petit peu pas bien marché pour payer après 4 mondes, bouler, bâton, etc. Et ça fait le gouvernement pas faire intervention pour Digicel. Merci. Merci. Merci pour question. Et ça, auditeur a dit, c'est ça que je dis là. Parce que le développement qu'a fait au niveau de l'électricité, il faut premièrement augmenter les incendies dans ces deux zones. Et il paquet de mesures d'accompagnement pour pouvoir prévenir les incendies. Et je vais retourner sur tout le développement de faire. Deuxièmement, je parle de compagnie et l'autre, deuxième question, je ne sais pas si ça n'a pas. C'est ce que tu dis, bombarder la question, on va y avoir le mot. Non, il y a un problème, mais l'autre, la parler de service que la bataille. C'est ça, on recevra l'autre auditeur. Ma prête est dans le domaine bien spécifique là. On recevra l'autre auditeur. Auditeur de Métropole, bonjour, bienvenue. Bonjour, Wendel. Oui, bienvenue. Bonjour, monsieur Pinson. Bonjour, madame ou mademoiselle. Bon, je voudrais savoir, la question que je voudrais poser à M. Pinson, c'est comment se fait-il qu'un investissement d'une si grande importance de 18 millions de dollars que la compagnie Digicel n'ait pas pensé à faire appel au service de M. Pinson? C'est ce que j'aurais aimé savoir. C'est la question que je pose à M. Pinson. Est-ce qu'on n'a jamais appelé? Jamais. Jamais. Autre chose, M. Pinson, est-ce que vous serez au courant s'il y a un service de sécurité au minimum qui a été mis sous pied dans le marché? Je pense qu'il y a, s'il y avait le service minimum, et cet incendie n'aurait pas lieu. Ah. Donc il n'y a rien, vraiment rien. Il y a eu un investissement pareil, il n'y a vraiment rien eu. Justement. C'est ce que vous pensez ou est-ce que vous savez? Non, c'est flagrant. C'est flagrant. Il y a, même la protection élémentaire est inexistante. C'est bien malheureux et c'est pour ça que j'ai dit que c'est en Haïti seulement qu'un investissement de cette importance peut se faire avec autant de légèreté, autant d'insouciance, autant d'irresponsabilité.
Vous êtes d'accord, madame? Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie, madame. On a cédé la place à un autre auditeur ou un autre auditrice, Fonsoline. Ah, vous avez aimé auditrice ou plus auditeur? Pas au seul bord. Ah bon? En tout cas, on a invité Mme Aurélie et plus, oui, c'est semblé dit. Mme Aurélie plus. Bon, regardez une belle question. Qu'est-ce que j'aime madame pour interaction avec moi? Oui, non. Aucun bel tout pour interaction en fait. Ah, mais c'est ça. Et on a accueilli une autre auditrice ou bien auditeur. Allô? Oui, bonjour monsieur, bienvenue. Oui, oui, bonjour monsieur Wendel. Bonjour. Bonjour monsieur Pesson. Bonjour. Et question pour moi, et monsieur Pesson, absolument avec un peu d'attention et puis intérêt. Et monsieur Pesson se dit, sapeur-pompier était supposé relever 2007 l'intérieur. Avant le gouvernement matériel, il y a un décret sorti qui était inclus le corps sapeur-pompier en d'un ministère intérieur. Mais. Pour ce gouvernement venu là, ou bien ministre qui vient là, et ignorer. Qui fait que pas qu'à mettre en application. Mais M. Samda, il me connaît, peut-être que nous avons essayé de faire un débat sur lui. Ok. Merci, auditeur, pour la question. Et je ne suis pas au courant que tu es sous le gouvernement et matériel, tu es bon, on va y aller. Je vais mettre d'autres informations pour que là, mais je ne vais pas arriver. Cependant, même si tu as fait, il est inconstitutionnel, parce que ça pour entrer dans le cadre amendement constitution. Parce que la constitution mettait dans la constitution pompier relevé de la police qui lui-même relevé du ministère de la justice. Donc, effectivement, meilleur côté pour les forces sous tutelle ministère de l'intérieur et de l'équilibre territorial, en tant qu'organisme autonome pour l'autonomie administrative et financière, mais il faut que, et qu'il y ait aussi des mesures d'accompagnement, et il faut que il est capable de rentrer dans l'amendement constitutionnel. On va accueillir un autre auditeur sans. Non. Alors, mais nous espérons que l'auditeur ou bien l'auditrice là est satisfait. Son auditeur, oui. Nous espérons qu'il est satisfait. On va accueillir un autre sans tarder. Auditeur de Métropole, bonjour. Kael Pinson à l'écoute. Allô. Et c'est BC appareil pour nous, s'il vous plaît. Oui, monsieur. On ne sait pas la question posée sur la suggestion que m'a fait. On a une opinion à permettre. Ok, vous autorisez faire lui, mais pour être très bref. Au Moyen-Âge, en Haïti, nous ne sommes pas vivre dans l'époque de la technologie, de l'avancée dans le Moyen-Âge. Parce que l'on regarde, par exemple, l'autre aux États-Unis. On prend, par exemple, chaque commune qui s'est appropriée par, par exemple, Brooklyn, bien par là. Queens tout près à Guépal, Manhattan tout près à Guépal, et l'on peut monter dans Long Island, Westbury Guépal, Union Del tout près à Guépal, et chaque commune au Minneapolis tout Guépal. Là, moi, on fait vraiment violent, c'est là, mon gars, on sapeur-pompier pas capable, et Westbury pas capable, et puis l'invité, et Union Del vient de balle bas, comme vient de porter le secours. Donc, ça, bon, étant donné que nous vivons dans un pays, bon, c'est pas sous-développé, hein, comme baronnet, et qui s'en a dit, donc, l'on regarde. Donc, qui n'a pas vu monter, parce que non, comme nous vivons encore au Moyen-Âge, c'est sacrifié, parce que, pour ça, tout barré, Babylone, n'est pas tout petit côté MC, c'est toute sa commune, c'est comme si Kabou, Léogan supposé qu'il y a un rapport compétal, Kafouta supposé qu'il y a un pal, Port-au-Prince qu'il y a un pal, et Croix-des-Bouquets qu'il y a un pal, Pétionville qu'il y a un pal, Kaba qu'il y a un pal, Anka qu'il y a un pal, c'est cool ça. Donc, comme nous parlons d'un pays, en fait, baronnet, donc de toute manière, ça va, c'est pas. Et on pêche, on n'a pas vu sur son bidon de papier. Ok, bye bye. Merci pour l'intervention. Non, donc, même encore, on va avoir une opinion contre par rapport à ça. Et, justement, parce que. Corps pompier tout partout. Justement, parce que grand problème. Justement, nous avons parlé ça en condition. Merci, auditeur, pour la suggestion. Et moi-même, je prends un exemple. Nous avons un paquet de pays dans les Caraïbes là qui étaient plus mal passés nous et qui remontaient courant. Par exemple, Guadeloupe. Pas parler que c'est parce qu'ils sont colonies françaises, mais même ils font pile effort et dirigeant et fait preuve de. Sans responsabilité, ils ont valorisé le métier pompier, ils ont valorisé toute vie humaine. Maintenant, avec le développement qui gagne là, parce qu'on n'a pas de développement pompier qui a fait au niveau des mairies, mairie Carrefour, mairie Delma, mairie Petionville, on prend pour suppléer à vide qui gagne non seulement pour protection commune, mais pour suppléer à vide qui gagne dans le pompier de ville. Le problème, non, c'est que, maintenant, depuis plusieurs déclarations que le maire a fait maintenant,
première constatation que je fais, c'est que je dévoue, je félicite pour tout intérêt, pour toute démarche que vous faites, pour tout esprit d'initiative que vous faites. Et solidarité tout. Solidarité, justement, pour être capable de protéger la vie, de sauver le matériel. Maintenant, ils vont anarchiser la question là. Par exemple, tous les trois étaient là, trois mairies, personne ne connaît qui est capable de diriger. Ça, c'est un gros problème. Tout ça, c'est une existence qu'on peut bien, manque de formation, manque de Donc, j'ai entendu le fait, c'est que si vous voulez Port-au-Prince, si vous voulez du feu Port-au-Prince, Carrefour, Tabar, Cité Soleil, Vinbay, Bacop, il faut que tu aies gagné un monde qui a coordonné. Mais c'est le problème qu'on n'a pas gagné. Si vous voulez, par exemple, l'MD, c'est le propre aéroport. Ok, c'est le propre aéroport. Je l'ai pour avion. Mm-hmm. Mais en même temps, il y a une formation sur le pompier municipal parce qu'il y a un bâtiment. Si un avion tombe dans le parc industriel ou bien tombe dans le côté avoisinant, il faut être capable de répondre en tant que pompier municipal. Mm-hmm. Maintenant, si il y a une catastrophe et que faut faire appel à pompiers de ville, on ne peut pas arrêter de s'amener. Nous faisons des simulations, nous relions, nous faisons formation, nous disons, mais qui est un scénario, mais comme ça, on fait des simulations et puis on mettez mon nom dans le bain, on entre d'elle. Parce que les gens doivent venir là et puis c'est compliqué de une compliquée situation parce qu'ils n'ont pas la même formation à voir, ils n'ont pas compliqué de aller. Donc ça va créer un autre problème. Mm-hmm. Parce que l'inexistence du corps. Ensuite, vous figurez par exemple, ces mêmes gens, j'ai rien fait là. Vous figurez ces mêmes gens par exemple, pas la direction générale police, et puis chaque commune sort pour un commissariat. Les gens ont mieux que tout à fait là. Comme, essayez d'imaginer qu'ils ont la vie. Mm-hmm. C'est exactement même bail là. Il faut qu'il y ait le il corps. Communiqué par téléphone. Il faut qu'il y ait le corps. Gael. Et c'est ballon dans le pied exécutif là. Et alors, pour faire passe à législatif. Alors, comme tu grand pilote qui a pris le téléphone, mais tout qui est à l'époque. Non, mais la difficile. Et on va essayer de continuer à être très bref dans la réponse à la question. Mais avant ça, bon auditeur qui dit bon mando. Qui est-ce qui occupe de questions autorisées moun vendre gaz pour panne? Qui est-ce? Auditeur ou auditrice qui pose des questions, il déplore le fait que tout collé avec la maison privée, gaz pour panne à vendre. C'est déjà des botaniques, moi, tellement yo mette. Depuis que nous avons un gros pour nous aller relier, nous mettons gaz pour panne, il faut commerce de la qualité. L'autorisation, normalement, c'est le ministère commerce, son commerce. Mais en Haïti, ce n'est pas tant que plus important. Vous faites comme là, il va bien qu'on qui utilise ça. Mm-hmm. OK? Ce n'est pas tant. Deuxième bail là, pas un pompier. Pas un homme. Dernière loi, si mémoire bon, qui vient sous stockage pour du inflammable, daté de 1946. Ou en 2018, ou fond de mathématiques. Non. Donc, vous faites vous comprendre. Ça fait une. Deuxièmement, si mon ami même était contre, il va mettre l'air là. Nous, chaque monde, l'air là, nous, là. C'est-à-dire que depuis l'environnement immédiat, il y a un monde qui a vendu gaz. Propane, c'est. Quand il y a exposé net. Parce que le bas, ça. Bon, installation bien faite. OK? Installation bien faite. N'est qu'à vendre gaz là. S'il faut négligence. Si on vient avec un tube, un cylindre pour panne, va plus pas bon. Dans les fins de la pétrole, et puis nous venons du feu. Si on lance femme les données. Ou bon cigarette tout. Ou bien cigarette n'importe où, par exemple, pour les milliers de lumières. Il y a une machine. Machine, elle mette quelques cylindres, l'abstap, et puis boum, il prend un backfire. Ou bien, n'importe quoi qui arrive, mon lance a fait, il prend un bon milieu de la caille. Au fait, si tu es un carte, de la commune, ce que m'encourage chaque maire pour identifier combien de pompes gaz, combien de kiosques gaz pour panne, combien de dépôts, combien de matériaux de construction, parce que les matériaux de construction, ou bien gaz, ou bien tine, ou bien alcool, ou bien produit peinture à l'huile, ou bien bonbon spray, etc., etc., ou bien planche, ou bien plywood, ou bien tout bagage, ou bien flammable, ou bien tout bagage. Tout ça, et mon tap ou un inquiète à mouiller. On a l'air avec notre auditeur. Et parce que ça a envie de me sauter. Mais c'est ça, magistrat de dire. Magistrat de dire, il me fait le peu. C'est normal que je fais même bonne vérité. C'est son réaction normale que mais réaction cas normale, c'est qu'on ne peut pas réagir. Mais vraiment, ça le dit, non. On va faire ça tout. Non. Il dit, bon, je comprends le bagage. Là, plus ça veut faire mon peur, vite, au lieu de résoudre le problème. Non. Parce que si tu es peur, qu'on a dit, mon cher, fais-moi pas peur. Fais-moi pas peur ou bonne vérité, qu'on a soit proposé. Mais qu'on va prendre l'autre route.
En appel aux auditeurs, Gaël. Et auditeur, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Bienvenue. Monsieur Indel, monsieur Soso, bonjour. Bonjour. M'a souffert longtemps là. Mais bon. Question par là, c'est pour mettre tout dépôt digital. Où sommes-nous qu'on soit pour investir? Nous connaissons des magasins aux États-Unis, les bas et des marchés tout. Gétio, l'eau, bon recevoir de l'eau qui gagne en dedans pour ça, pour si pour pied pour corriger. Deuxième bagaille, soit peut-être si on comme ça, pour qu'on coopère à l'État, pour l'État mettre sécurité quelconque. Vous comprenez? Si on ne gagne pas assurance. C'est ça question pas maintenant. Je dis merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, auditeur. Ou même sur vos questions, effectivement, ballon dans le gouvernement avec Digicel. Parce que j'aime nous là, on investit pas de cette importance, pas de bruit pour faire à la légère. Ben, là, c'est si Digicel envisage de reconstruire. Parce que c'est pas rien que Digicel, il n'y a pas formel là-dessus, sur possibilité pour reconstruire. Par contre, qui est en train de quitter gagné, par contre, sur qui base 18 millions de faits, je n'ai aucun papier, je n'ai aucun contrat, je n'ai aucun accord. Digicel doit investir 18 millions, machin n'est pas pour Digicel, il est pour le gouvernement. Mm-hmm. Qui a accompli fait? Qui est-ce qui est responsable de gestion? Qui est responsable quoi? Pendant combien de temps? Pendant tout le temps? Il y a autant d'éléments inconnus qui ne permettent pas de me prononcer. Je la seule bagaille, les deux parties sont également responsables. Même également, mutuellement, tout est même 50-50. Oui. Co-responsabilité. Yes. Quelqu'un en ligne? Allô, oui, bonjour. Bienvenue. Allô? Oui, oui, bonjour. Allô, bonjour. Bienvenue. Auditeur, vous m'avez parlé, mais pensez baisser le volume. Je ne sais pas, parce que le danger n'est pas remarqué dans la rue. Il y a une grande quantité de petits camionnettes, je veux dire, qui ont fonctionné dans la rue avec un gaz pour parler. Jamais. Pas de rien, pas de personne qui dit rien de ça. Un petit camionnette. Il a fonctionné avec un gaz qui n'est pas là. N'importe accident, n'importe chose qui frappe, le gaz a explosé dans la rue pendant un blocus. Nous allons qui ça va manger tout le monde. Nous allons même dire tout ça. Merci. Merci. Question ça me gagne là. C'est justement. Non, question ça. Moi, personnellement, je me dis ouais, et responsable, moi, effectivement, qui quitte qui a servi. Je n'ai rien pour moi, brocher au point de vue technique. Pour matériel que j'avais utilisé. Effectivement, et au niveau accident, au niveau impact, bon, pas rien qui résiste à 100%, bon, mais effectivement, ça représente un danger en plus. Maintenant, là, la grande question, c'est nous, tout ça n'a pas dit, on a vu au grand côté inexistence pour lui. Mm-hmm. Parce que formation du personnel, entraînement, inspection, prévention, qui j'en a éteint du feu, qui a, tout ça c'est pompier. Pompier inexistant et c'est la responsabilité de l'exécutif qui doit faire preuve d'une volonté manifeste. Et puis il dit bon, ok, nous allons adresser ce problème d'une façon définitive et professionnelle. Et bien le ça, législatif là qui est poursuivi pour mettre cadre légal, les fini pour faire loyaux, les fini pour mettre mode d'application loyaux, de façon que ni pompier, ni magistrat, capable s'il s'agit de pompiers municipaux, capable bien soutenir dans le mieux pour capable faire population marcher. Mm-hmm. Alors, bonne question là, c'est une réaction de une auditrice à explication. Non, mais c'est sur le téléphone, on a relé. Moi, je suis un baoul. Si le gars pour continuer à relé, c'est moi la relé. C'est moi la écrit. Si on gagne sur l'idée, pas de problème. Alors, auditrice a dit que qui ça pour le faire? Parce que si pendant qu'on a parlé là, il réalisait que les gens. Gon bomba atomique derrière dans la Kaili, tout la Kaili. C'est là le danger. Parce qu'il dit que le gaz propane tout près Kaili, effectivement, mais pas réalisé que c'est que ça t'est aussi dangereux. Donc il dit qui ça ou yon moun ka fait pour faire que mettre gaz ça ta retirer business qui dans zone là. Bah on va demander donc. Ou du moins est-ce que il y a moyen pour ta faire retirer dans zone là et merci en pile pour question pour réponse pour malheureusement non parce que moun ça fait de là pas violer aucune loi. Pas aucune loi. Moi tout dernier loi date de 1946 et bien l'île. Il va parler, il va parler comme ça. Et puis on va aller de la police, on circule, on va changer de bien, on circule avec les bas. Négla, bah on circule. Bon, Macadie Négla, son commissaire de police qui sortit des chiffres, qui va aller combien de distances, de hauteur, de périmètre. Libre, on va pas qu'on va couper loin. Sans référence, sans rien. Donc au fait,
nous n'avons jardin libre. Est-ce que c'est un personne, est-ce que c'est un espace que tu as dû envisager pour, comme signe d'adieu pour qu'il va nous venir comme ça? Mais c'est un Haïti seul pour moi comme ça. Parce que gaz pour pas nous râler. Non, mais d'un côté, il y a un problème. C'est-à-dire que gaz pour pas nous représente une sorte de palliatif à charbon de bois. D'accord. On nous dit que de craser, couper pied bois, pas bon, gaz dans tout, il pose des problèmes, je dis. Mais gaz à où fait pour choisir un côté qui a moins de risques possible pour les grandes explosions, les points de feu, il n'y a pas trop de dégâts, il n'y a pas tuer trop de monde. Parce que le, beaucoup j'aime qu'on est sous parler avec un monde qui boule dans le bas, pour pas s'il vivant. Oui. Parce que je n'ai pas sorti sous pression. Bon, quelques secondes, pouf, il boule. Mm-hmm. On a dit pas comme ça que passé, non, je suis ma première base et puis moi l'hôpital. Ou bien moi le bas. Bon période, il n'y a pas son rien. Il a tellement fait en vitesse engagée. Maintenant, pour répondre à la question difficile, il n'y a pas qu'à faire. Si on a une belle il a monté mieux, mais il faut mieux. Un bon bloc, on peut pas pour si du feu après la donne que le frappe dans le mur. Mais si c'est bloc, bon, mon ami, on a pu avec la Cali. On ne peut pas faire le peur. Ça veut dire que du feu, ça a tellement. C'est sous pression liée. Son gaz. LPG, pour pas dans son liquide, et puis qu'il sorti sous forme de gaz. Et puis il sorti sous pression. Là, vraiment, on va faire mon père tout bon. Mais c'est vérité. Un bon auditeur. Auditeur, auditeur. Pas là pour venir faire nous tenir ça dans la vie d'un dia. Auditeur, bonjour. Bonjour, Métropole. Bienvenue. Bon, s'il vous plaît, question par là, c'est que est-ce que le cap possible pour nous faire une sorte de service privé, par exemple, pour une ambulance qui est les héros, qui, par exemple, qui offre service qui a un frais mensuel à la population, est-ce que le cap possible pour un service pompier que nous avons dans une sorte d'assurance? Ça veut dire qu'un millier de monde est d'accord pour payer Gaël Besson, par exemple, un compte mensuel pour lui capable de subvenir à frais de l'opération. Et puis que qu'on est à l'état lui-même, il va acheter peut-être un camion. Ou bien est-ce que pour façon que le capable de faire entre privé et gouvernement, puisque lui n'existe là. Donc c'est ma question, est-ce que nous pour façon que nous avons privatisé ou peut-être subventionner à un pompier, parce que pas de fonds pour pompier en Haïti. Merci. Est-ce que c'est pour pagaire ou bien geste en priorité? Merci auditeur. Merci auditeur, bon merci que vous choisissez tout pour. C'est tout mon job. Pour me donner tout mon job. Mais malheureusement, justement, nous tournons dans le cadre de gars là. Hein? Deuxième embarras substitution à l'État. Parce que bon temps passe, c'est suffisant pour développer tout problème. Parce que tu as fait déjà. Tu as fait. Nous avons offre depuis le travail ouvert, je suis offre pour te faire service pour bien. On va être simple. Tu comprends, faut que payer. On va être simple comme inconvénient de pas un cadre légal. On va payer courant, on va payer courant, on va payer l'eau, on va payer téléphone, on va payer courant. Bon, on va payer ça pour payer dans la paupière, ça va le faire. Les gens du feu. On va aller d'un. Bon, l'idée de deux nègres qui payent. Mais m'obliger d'un quand même. Tu vois, il y a un tas de problèmes. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Mm-hmm. Il faut que l'État soit conscient. Que vaut une vie humaine en Haïti? C'est la question que je me pose. Est-ce que décide à connaître? Que vaut une vie? Mm-hmm. Parce que sous des comptes valent une vie, sous des comptes valent un pompier, rôle un pompier dans la société, moi j'ai le comportement de tout ce qui est différent. Vous dites ça écrit encore? Oui, Non, ça c'est mon pas. Non, mais. Ma réponse, vous connaissez mon pas, c'est mon pas. Non, dis-moi merci pour réponse. Mais pas moi, dis merci. Il passe pas moi pour l'atteindre. Ah, Jésus, pas Marie. C'est ça. Il dit que merci pour réponse. Non, franchement, on commence peur. Bon, il y a de quoi, mais veillez prier. Et pour ça, me dit bon Dieu, vous qui connaissez bon Dieu, ça n'a été dit, vous êtes secrétaire de votre pays. Auditeur, oui, bonjour. Allô? Oui, bienvenue. Oui, une question pour M. Pinson. Mm-hmm. Problème que la profondeur, c'est un problème culturel haïtien. Nous n'avons pas conscience de risque. Ça, c'est mental, c'est société à même qui comme ça. Je regarde, mais vous-même, là, capacité, vous pouvez mourir. Bon, c'est l'affaire d'où vous pouvez dérisquer Haïti. Nous confondons risque avec chance, avec malchance. Pour être mental, nous pas, on va avec des jeunes, il n'y pas exister. Nous confondons vérité avec réalité et avec visibilité. C'est culture, pas bon. Merci. Merci, auditeur. Merci pour cette question, mais je n'ai pas de problème mental. Parce que moi, bon, c'est décidé de ne pas prendre responsabilité. Nous avons un manque de vision, un manque de leadership, un manque de sens de responsabilité. Parce que toute population consciente de danger, tout pour nous apprendre l'amour, garder des questions à poser, que font les décideurs? Mm-hmm. Dernière fois, parce que tu es un service pompier longtemps.
sous la médaille d'Haïti, il y a des services pompiers, il y a des gros chefs pompiers, il y a Georges Eddy, fils du colonel Achille, je m'avais cité dans la dernière. Mais tout, et puis il y a des gars dans le groupe, tout le monde dans le pays, toute institution crasée, comme bon, il n'y a pas de vacciné, bon maladie à tout. Mais qui ça? Bon, c'est pour remonter courant. Il faut que l'État, pas l'État, l'exécutif, prenne ses responsabilités et adresse ce problème une fois pour toutes. Donc, problème mental là, bon, s'ouvre mon côté ce problème mental là, il passe du côté population, du côté décideur, du côté dirigeant. Il y a un auditeur qui m'a demandé pour d'adjoindre le bagage là. Est-ce que il n'est pas nécessaire que l'État a employé plusieurs monde dans chaque zone qui est marché, qui vous suivez, monde qui a jeté produits inflammables, n'importe qui bon, non, marché. Problème n'a pas résolu sur l'affaire du marché. Comme ce marché qui a boulé, qu'on a ce marché à grand vedette. Toute la population, dans toutes ses composants, exposé, même genre. Je dis à ce marché, demain sur l'autre côté. Ce n'est pas pour adresser à faire du marché. Est-ce que son culture ou son éducation anti-incendie pour la commencer à inculquer la caille? On va parler de job pompier, c'est job pompier. C'est 50% de job pompier qui était du fait. L'autre pompier, c'est prévention, éducation, inspection, recyclage. Et inspection sous différents domaines, identifier les risques d'incendie. Dis-moi, il n'y a pas stocké ça, pas vendre gaz à caillou, pas vendre gaz propane, pas vendre ceci. Diminuer les risques. Et c'est là pour le cadre légal. Parce qu'il faut être capable de frapper pour dire qu'on gagne pour payer, mais il faut qu'on loi dans le même. Avec un mode d'application. Le bon premier avertissement, le bon deuxième, le troisième, non, il faut payer à main. Ensuite, on va avec qu'on a le fait, mais on. Et on va faire nous temporairement. Depuis où on risque. Je dis, ou représente un risque pour la population, un risque pour la zone côtoyée, un risque. Vous bloquez l'activité jusqu'à ce que vous respectez les normes. Mais il faut qu'un homme, il faut qu'un corps pompier. Tout vire à virer à ces rôles pompiers. Et ceci, c'est la même menace, ou une menace pour complexe résidentiel, ou une menace pour magasin, ou une menace pour bureau, ou une menace pour ministère, ou une menace pour palais national, ou une menace pour machine blindée, ou une menace pour hélicoptère, ou une menace pour avion, ou une toute menace égale. Parce que le corps des pompiers est inexistant. Donc il ne faut pas pointer ça. L'hôpital. Moun kap manipule oxygène, nèg kap soudé nan garage, tout côté. Ou gen même ça tout côté. Non pour finir Gaël, est-ce que c'est vrai tout pompier avant yo apprendre éteindre du feu, monter au mettre du feu tout. Ah obligé, c'est clair. Mais nèg kon mettre du feu. Mais yo faut faire simulation pour l'heure où rivé nan sous les lieux. Donc sinistre pour capable balèse pour faire. Dans tout côté tout soit pas apprendre. Que c'est dans ce faire on traîne, ou c'est que c'est obligé. Alors, on ne parle pas de ce que tu fais comme ça. Ou quand on a appris à prendre une conduite automobile par correspondance, ou obligé à le monter volant. Donc, pour être capable d'éteindre du feu, il faut mettre. Donc, il faut compte du feu. Il faut compte du feu. Et maintenant, il y a la science du feu. Parce que pour le combattre un élément, il faut qu'on ait qui s'allie. Et l'homme de faire commencer comme pompier, pas de science du feu. Non, c'est qu'on y arrive, mais il retourne à l'école. Donc obligé, donc, faire c'est, simulation. Est-ce que c'est inconcevable pour ta pensée à mettre un corps de pompiers volontaires, par exemple? Pompiers volontaires après le greffer sous pompiers qui existaient déjà. Non, ça peut me dire, est-ce que l'inconcevable, parce que normalement, on n'est pas capable d'improviser aux pompiers, si je bien comprends. Non. Par rapport à toute formation, ça qu'on gagne. Je vais arrêter pour me dire comme ça que bon, que okay, je dis à un pompier, il y a du feu, beaucoup de domaines même, on parle écoute même, on parle tuer du feu. En Haïti seulement. Ou quand on boulanger, ou dit là, l'hôpital là, il faut opération et ni. Ou quand on bosse pas sur le but de manger pour vous, si tu vas respecter les professionnels, tout le monde est d'eau. Et puis surtout, tout recrutement, c'est mon pas. La faculté de médecine, mais la gueule là, moi, prends la gueule là, demain, ton opération, il faut qu'on va essayer de sortir de la gueule, mettre une opération sur vous. Donc maintenant, le corps volontaire, sortez les volontaires là, ces gens là, par exemple, là, ou avec tout pompier qui gagne là, ou évaluation pour faire. Parce que je me donne des magistrats, je respecte et je vais adresser ces problèmes là. Ça m'a dit, c'est pas négatif, c'est pas gratuit, au contraire. Il faut que quelqu'un, un professionnel, évalue tout pompier de rien, tout le monde qui l'a observé. Parce que si nous n'avons pas bien formé le babé, il représente un danger, il prend les têtes en danger en voulant sauver des vies humaines. C'est là le danger. Est-ce qu'il est en bonne condition physique? Est-ce qu'il est en bonne condition mentale? Est-ce qu'il reçoit la formation qu'il faut
camion que vous gagnez, est-ce que vous allez répondre? Parce que, faut qu'on qui soit gagné, par exemple, sous vos machines, ou qu'on est le pas 4x4, il y a des côtés pas passer. Sous qu'on est que machine a un problème, il y a des côtés pas prendre la velle, il y a des distances qu'on pas prendre. Qui est-ce qui va évaluer tout ça? Pas un professionnel pour faire. Donc maintenant, ça c'est un volet. Maintenant, pour être volontaire, volontaire lui-même, on est on prend un coup, par exemple. Vous avez une station pour Pierre Jacques Mel. Et vous décidez, comme volontaire, qu'on prend le bail, on assiste à des gens qui doivent dans le centre d'opération, ou qui recevoir appel, ou bien, on va quelqu'un, suivant aptitude. Ou dit, bon, on va disons, 30 heures par mois. Mais il faut qu'on ait une citation, parce que toi, pas grand, il y a un gratis dans l'affaire pompier. OK? Et puis, quand il y a une déclaration définitive d'impôt, il faut que l'État admette que 30 heures sur le bail là, déductible d'impôt. Mm-hmm. Faut tout bon jouer. Ensuite, les gens qui ont cotisé, il faut que machin n'a pas d'aucun. Parce que nous ne pouvons pas rien gratis. Et le problème, et l'amendement de la Constitution, l'équipe qui a occupé de l'amendement, il faut le pencher sous loi, sous pompier à tout, de façon que il est capable de voter, j'aime suggérer là, et c'est seul j'aime pour marcher. Dans mon dernier auditrice, ah oui, ça bon. Qui dit que le longtemps après les, il n'est pas capable de passer. Finalement, le fruit de la persévérance. Sauf que je demande aux auditeurs ça pour lire vraiment très bref dans la question que l'a posée, hein, parce que pour nous qui ne font pas encore quitter ça. Auditrice de Métropole, bonjour. Oui, bonjour. Ma soeur dit bonjour le soir. On m'a aidé la détail. Tandis que moi, on est presque tout aspect est touché. Ça veut dire nous parler de désinvolture, de responsabilité, la sélection, l'État. Et nous comprenons que le budget est carré. Bien sûr, deux points moins passent bien, je ne vais pas couper d'après moi-même. Quoique les ALP sont touchés rapidement, c'est question d'éducation. Hein. Parce que nous pensons que tout sont que si on parle de prévention, il faut que préparer ma chaîne et tout. Parce que nous occupons des différents espaces. De sorte que on est tout petit précaution pour le plan. Parce que nous insistons sur ça. Le dernier point de l'État, surtout, personne ne va parler de question patrimoine ville. Parce qu'avec le problème de terre, tout le père, tout le bâtiment historique dans la ville, là, pratiquement tout, allait tout tomber. Donc, l'urgence à la ville de reconstruire, c'était quand même un bon bagage, parce que son marche pas. Donc, c'est un bagage qui est important pour la ville. Personne n'a soulevé des questions sur ça. Et on connaît un ici qui a un problème avec mémoire, il faut dire. En toute ville qui a une histoire, on passe dans une ville-là, où il y a des bâtiments, où il y a des vestiges du passé, des témoins du passé, qui vivent dans une ville-là, l'identité pâle. Et bien, quand on presse, pas des bagages à encore. Donc, nous, on a demandé si c'est une ville, nous, non seulement dans une ville, nous, nous avons des services, nous avons des équipements. Ville pour Haïti, en particulier Port-au-Prince, résumé à pile sous pile, monde pile sous pile, sont sept agglomérations que tout le monde pourrait là-dedans. Pas gagner pour garantir la sécurité des mondes, et puis pas gagner comme un secteur là, pas même gagner un repère pour la civile, ça a existé, c'est fait pour le, mais ça a été comme témoin de l'histoire. Voilà juste que je voulais dire, après ça, personne n'a pas soulevé, quoique, d'accord, un peu plus d'aspect soulevé, et pourtant, si monde, démission à l'État, etc. Merci. Merci beaucoup, auditrice. Auditrice, à son monde, Kaila. Moi, je connais le voile. Je connais le voile. Merci, Madame Chérubin. Merci beaucoup, Madame Chérubin. OK. Bonjour, Ginette. Merci beaucoup pour la question. Et pour l'éducation, effectivement, il faut, c'est primordial, non seulement pour les marchands, mais c'est pour quel que soit le monde. Son, éducation pour faire à la mamelle, c'est-à-dire depuis dans kindergarten, tout le monde, nul n'est exemple. C'est une éducation. Par exemple, et télévision, chaîne de télévision, il faut un programme, il faut une rubrique pour l'éducation, il faut une rubrique pour la sensibilisation. C'est télévision nationale, c'est pas pour grand pour le faire, c'est éducation publique là. Et ça, c'est un volet extrêmement important. Donc ça, pour éducation, c'est pas seulement l'éducation des marchands, l'éducation de toute la population en général. Et ceci dans tous les domaines. Et bien, comment tu m'as dit, tout ça, travail pompier, il a préparé module, il a préparé des spots, il a préparé des sketchs, la préparer des débats pour les médias, pour les, dans les journaux, etc. Tout ça, c'est travail pour bien. Ça, c'est 100% d'accord. Mais la protection du patrimoine, non, c'est parce que, bon, émission de Jean-Trois Coutouba, nous pas poser des questions. C'est très vrai. Et c'est tellement vrai que dans le livre du feu que m'écrit avec George Covington, dans la partie George Covington, non, ou après toute quantité de bagages qui détruit l'affaire patrimoine. Mais moi, tout le monde allait, par exemple, dans la scène cathédrale, mon chien de hôtel, sous champ de masse, mon paquet de côté, tout est bien écrit. Exactement, c'est ça. Et c'est. Ce sont les conséquences, justement,
de l'inconscience, de manque de vision, de manque de leadership des décideurs qui fait que patrimoine va disparaître. Patrimoine va disparaître. Ou bien tremblement de terre, beaucoup de gaz, ça. Ou bien des chocages qui fait. Ou bien du feu, à... bon, par exemple, pour la ville du Cap. Dans mon bagage, fait triste comme ça. Que toute ancienne maison, gîtes, bread ou quoi que ce soit, yo loué pièce par pièce, et puis qu'on négligence du feu, et pour être son masse béton monté. Au fur et à mesure, il détruit. Et ceci, vous apprenez à travers le pays, par le respect du patrimoine. Tout ça, c'est manque. Tu vois, si il y a une volonté, nous tournons autour du pot, le corps des pompiers doit exister et les décideurs, les dirigeants actuels doivent approcher le problème, adresser le problème d'une façon définitive et professionnelle. Merci. C'est pas ça, tout le monde joigne. Et tout le monde joigne déjà, n'a continué à joindre. Pendant combien de temps? Bah, voilà. Merci. Ce n'est pas ça que je souhaite. Merci infiniment, Gaël. Merci. C'est un plaisir de vous avoir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Gaël Pinson était notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. Je vous souhaite une très bonne semaine avec Métropole. Et à demain.